Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vais juste vous demander de vous connecter une à deux fois par jour sur cette map Race Color Switch. Tous les jours, si vous vous connectez tous les jours, on va pouvoir débloquer l'XP de cette map et on va pouvoir vous proposer des meilleurs glitches d'XP, genre 5, 10, 15 niveaux par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours une à deux fois pour nous aider à débloquer l'XP. Donc le code de la map sera bien sûr en description, en commentaire pour ceux qui veulent nous aider. Merci à tous. Alors ensuite, pour le code de la map de cette vidéo, c'est 0110730 4, 5, 7, 8. Voilà. Ensuite, vous acceptez, vous validez, vous lancez la partie en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et mettre le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font. Ça soutient énormément la chaîne. Et par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc, merci à tous. Donc, quand la map va se lancer, vous appuyez sur Options, Paramètres, Menu, vous lancez le jeu. Alors, quand le jeu se lance, vous attendez 10 secondes ici. Ensuite, je vais vous présenter 4 glitches qui peuvent vous rapporter, 5 glitches qui peuvent vous rapporter pas mal d'XP. Alors, quand vous pouvez rentrer dans la map, vous passez par ici. Et ce que vous allez faire, c'est aller vers le rebondisseur qui est à droite du respawn, là, le gros bloc. Vous allez aller vers le rebondisseur qui se trouve à droite, donc juste là-bas. Je vais prendre le petit pas d'ici pour aller plus vite. Voilà, parfait. Ouais, ça m'a pas fait gagner beaucoup de temps, mais un petit peu. Donc là, vous allez près du rebondisseur et vous allez construire 2 rampes à partir d'ici. Donc 1, 2 rampes. Pour vous retrouver au-dessus du rebondisseur, et là vous avez un petit bouton, vous interagissez avec ce bouton et normalement ça devrait vous donner de l'XP. Donc je suis à 44 000 et là j'ai gagné que 1000 XP. Ok, donc je vais vous montrer le deuxième XP. Donc c'est ici, vous tombez, vous allez sur les rampes de droite, juste ici à droite. Voilà, le spawn est là, vous allez ici et là vous allez construire 20 rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez construit 20 rampes, vous venez par ici, vous regardez en l'air, dans le coin je crois. Ah voilà, c'est juste ici. Au milieu de la rampe. Regardez, hop, il y a un bouton Secret Room XP, vous interagissez avec. On va voir combien d'XP ça va me donner. J'étais à 43 000, ça m'a donné 5000 XP. Voilà, ça m'a donné 5000 XP. Alors ensuite, la même chose, mais de l'autre côté, sur l'autre rampe. Celle-ci. Voilà, vous venez ici. Hop, on regagne en plus de l'XP, parfait. Mais là, vous n'allez pas vers le spawn, vous allez de l'autre côté et vous allez construire 20 rampes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ensuite, pareil, vous regardez en haut du milieu de votre rampe, vous regardez en haut, Secret Room XP, boum. Donc j'étais à 38 000 XP. Et là, j'ai gagné 8 000 XP. Ok, parfait. Donc ensuite, on va aller ici. Vers les vaults, Secret Vault. Vous allez construire une rampe, deux rampes. Vous allez sauter ici. Vous voyez, vous pouvez marcher.
vous allez au bout de l'architecture ici, vous mettez deux rampes, et là vous regardez au milieu des deux rampes, en bas, Secret Room XP, vous interagissez avec. Donc j'étais à 30 000 XP. Et là j'ai gagné 19 000 XP. Ok, donc là maintenant je vais vous présenter le dernier glitch de cette map. Donc vous réutilisez la rampe que vous avez construite. Juste ici, vous allez remonter tout en haut. Ensuite, vous allez continuer à construire. Voilà. Si vous faites un petit carré parce que vous arrivez au bout de la map, vous continuez à construire pour rejoindre le dessous du spawn. Voilà. Donc quand vous êtes vraiment au coin, juste ici, vous allez mettre trois rampes. Donc, ok, regardez bien. Trois rampes. Une, deux, trois. Trois plats, excusez-moi. Puis ensuite une rampe. Et puis ensuite un plat. Et là, au milieu du plat, il y aura un bouton Secret Room XP, donc vous interagissez avec. Hop, et on va voir combien d'XP ça va me donner. Donc je suis à 11 000. Ok, ça m'a donné plus ou moins 10 000. Donc avec les 4 glitches que je vous ai présentés, j'ai gagné plus ou moins 50 000 XP. Donc il faut savoir que si vous utilisez la technique secrète que je mettrai en description, en commentaire épinglé, bah vous gagnerez 5 fois plus. Donc si j'ai gagné 50 000 XP ici, si j'aurais utilisé ma technique secrète, ben là j'aurais gagné 250 000 XP. Donc ça fait plus ou moins 3-4 niveaux. Donc voilà, je pense que je vous ai... Après, si vous n'êtes pas obligé d'utiliser la technique secrète, hein, si vous voulez, vous pouvez tout simplement arrêter le jeu et recommencer le jeu en illimité pour refaire tous les glitches que je vous ai présentés dans cette map. Donc voilà, là je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.